un vœu, je crois. Oui. Vous lisez le vœu et après c'est Xav qui donne les interversions sur les commissions. On va faire d'abord les interventions et le vœu oui, après. D'accord. Que ça pollue pas, que le vœu vienne pas polluer. Oui. C'est quand même. J'attendais d'abord ce que vous allez me dire sur le truc. Mais je préférais que ce, si par exemple c'est dans le groupe le plus nombreux d'opposition que le président de la commission de finances est désigné, ce serait bien que ce soit dans l'autre groupe d'opposition que le soit associé. on va voir un. On reprend, mesdames et messieurs, chers collègues, on est bon, 12h20, on reprend notre séance. Donc, je vais vous donner la lecture de l'élection des membres de la commission permanente. La commission permanente, désormais, est la suivante. Président Philippe Martin, premier vice-président Bernard Xatz, deuxième vice-président Francis Dupuy, troisième vice-président Charlotte Bouet, quatrième vice-président Philippe Dupouille, cinquième vice-président Françoise Cazalet, sixième vice-président Bernard Gendre, septième vice-président Cathy Dast-Leplus, huitième vice-présidente Laurence Labedan, neuvième vice-président Jean-Pierre Salers, dixième vice-présidente qui fait son entrée dans ce cercle fermé, Lydie Toison. Les autres membres de la commission permanente sont Chantal Dejean, Christian Laprébande, Yvette Ribes, Gérard Castette, Hélène Rosis-Lebreton, Claude Bourdil, Nathalie Barouillet, Robert Fréret et Marie-Martine Dalla-Barba, Michel Gabas, Patricia Esperon, Christophe Terrain, Christine Ducarouge, Xavier Balinguin et Isabelle Tintané. Voilà donc cette liste qui a été discutée entre nous. Si vous n'avez pas d'opposition, d'abstention, elle est donc adoptée. Nous allons passer à la désignation parce qu'il y en a. Dans l'Assemblée, je crois que c'est Bernard qui va nous faire la liste, tout ça. Alors, j'informe le président Balinguin que nous avons décidé de sursoir à l'examen du vœu dès lors qu'il ne vous a pas été... Vous voyez, je veux rester dans la... dans le move. Dès lors qu'il ne vous a pas été présenté au moins 48 heures à l'avance, et plutôt que de faire un travail de réécriture qui sera complet... Nous verrons quelle formule nous prendrons pour signaler quand même, parce que ce que signalait Bernard Xatz, c'est quand même très important, c'est-à-dire que c'est bien beau de décider de la baisse de 5 euros de l'APL, et c'est simple ensuite de dire bah, c'est les organismes HLM qui devront baisser leur loyer, mais quand on connaît la situation des organismes HLM du point de vue financier, c'est prendre le risque d'aggraver leur situation économique et surtout de les priver de pouvoir faire les investissements qu'ils doivent faire et qu'attendent les locataires. Donc ça n'est pas une bonne manière à l'égal du mouvement du logement social. D'ailleurs, ça a été hier, je crois, fortement dit au secrétaire d'État qui venait représenter le gouvernement. Mais je crois que là, il y a véritablement un problème. On ne peut pas prendre une décision sans calculer, je crois que c'était dans le vœu, et j'en avais apprécié la formulation, sans faire des études d'impact sur ce que ça va faire sur tout ça. Mais pour tenir compte de votre main, voilà ce qu'on fait. Alors, sur les désignations d'Assemblée, Bernard, oh, je peux le faire, si tu veux, vas-y. Donc, il vous est proposé de procéder à la désignation de représentants du conseil départemental au sein de commissions et organismes divers, conformément au tableau figurant ci-après. Donc, je vous en fais la lecture.
Non, mais je veux dire, c'est tout ce qu'il y a sur cette page-là, la page d'après et la page d'après. Non, c'est ça ? Pardon de dire des choses comme ça, mais est-ce que tout le monde a pris connaissance ? Non, à moins qu'il y ait vraiment qu'il faille le dire de manière... Non, moi j'ai pas de religion en la matière. Non, parce que là, on va faire une longue liste. On les a, on les connaît, ils ont fait l'objet de oui, discussions. De concertation, donc, oui. Si vous en êtes d'accord, je préfère mettre au voie le rapport sur ces désignations là, le 83J01. S'il n'y a pas d'opposition sur toutes les désignations que Bernard Sat ne vous a pas lues, ou d'opposition, il sera, on est d'accord et c'est adopté. On passe au rapport 83J02, attribution de mandats spéciaux. Donc, Claude de Bourdie n'étant pas là, Bernard, sur... Oui, je poursuis. Donc, il vous est proposé d'attribuer un mandat spécial aux conseillers départementaux ainsi qu'il suit. Monsieur Bernard Jean, vice-président du conseil départemental du 21 au 24 août 2017, qui a représenté le département à la commémoration du centenaire de la bataille du chemin des Dames à Soissons et à Reims. Et Monsieur Xavier Balinguin, conseiller départemental, pour sa participation à la manifestation Les Marchés Flottants à Paris les 15, 16 et 17 septembre 2017, de prendre en charge sur présentation de justificatifs les frais de transport et de séjour, ainsi que les autres dépenses liées à l'exercice de ses mandats spéciaux. Pas d'opposition, c'est adopté le 81A00. Dans le cadre de la répartition de la dotation de l'État, il vous est proposé de répartir la part bénéficiant aux structures défavorisées au titre de l'exercice 2017 pour un montant global de 3 757 027 euros, ainsi qu'il suit. Donc, reconduction du prélèvement préalable de 36 807 euros au titre d'une dotation complémentaire visant à compenser les contraintes et charges de fonctionnement subies par les communes de Pavie, Le Houga, Montcorneil-Grazan, Pessan, Lupéviol, Betka-Vaguin, Tachoir, site d'implantation ou limitrophe d'une implantation de stockage de déchets non dangereux. Adoption de la règle de proportionnalité suivante, identique à celle appliquée aux répartitions précédentes du produit des anciens fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle pour le montant résiduel d'un total de 3 720 220 euros après prélèvement de la dotation complémentaire ISDND, à savoir 3 518 212 euros au profit des communes, soit 94,57% de la dotation globale, 202 007 euros constituant le solde au profit des groupements de communes. Adoption des critères de répartition ci-après, retenir au titre de structure défavorisée les 462 communes gersoises d'une part et les 15 groupements de communes répertoriés au titre de l'année 2017. Utiliser le même mode opératoire pour les deux catégories de collectivités en accordant sur chacune des deux parts de la dotation globale la somme de 3 555 019 euros pour les communes et 202 007 euros pour les groupements. Donc les critères sont 20% au prorata de la population, 40% au prorata de l'écart avec le potentiel fiscal par habitant le plus élevé multiplié par la population de la collectivité bénéficiaire, 40% au prorata de la moyenne des dépenses d'équipement brut sur les trois derniers exercices connus. Bon, s'il n'y a pas de remarques particulières, 81A00, il est adopté. 81A01. Il vous est proposé d'attribuer une indemnité de conseil au payeur départemental d'un montant brut de 6 715 euros au titre de 2017. Pas d'opposition, il est adopté. 81A02. Voilà, donc là, il y aura trois rapports sur l'office et donc je ne participerai pas au vote. Donc, il vous est proposé de réitérer la garantie du département pour le remboursement d'emprunts réaménagés initialement contractés par l'Office public de l'habitat du Gers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément au rapport, d'autoriser le président du conseil départemental à signer les documents correspondants. Pas d'opposition, il est adopté 81A03. Il vous est proposé d'accorder la garantie du département pour le remboursement d'emprunts contractés par l'Office public de l'habitat du Gers auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour des travaux de réhabilitation énergétique de logements à Condon, d'autoriser le président du conseil départemental à signer les documents correspondants. Pas d'opposition, c'est adopté. 81A04. Il vous est proposé de maintenir la garantie du département accordée à l'Office public de l'habitat du Gers pour les prêts à la conservation-réhabilitation dont bénéficient les logements qu'elle envisage de vendre situés à Villecontal-sur-Arros, Nogaro, Mirande et Panassac, d'autoriser le président du conseil départemental à signer les documents correspondants. 80 adopté. J'ai oublié, pardon, c'est un peu décousu, mais bon, voilà, que Claude Bourdin n'était pas là, qu'il a donné pouvoir à Cathy Das et que Vincent Gouenel n'est pas là. On aurait pu penser qu'il donnerait son pouvoir à Michel Gabas, mais non, il l'a donné à Isabelle Tintané. Donc voilà qui est fait.
Pardon pour cet oubli. 80 à 05. Il vous est proposé de maintenir la garantie du département accordée à la SA Gascogne HLM du Gers pour le prêt à la construction dont bénéficient les 30 logements qu'elle envisage de vendre situés à Mirande. D'autoriser le président du conseil départemental à signer les documents correspondants. Pas d'opposition, c'est adopté. 80 à 06. Il vous est proposé d'accorder la garantie du département pour le remboursement d'un prêt contracté par la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition, amélioration de construction de logements à Auche, Labéjean, La Grolée, du Gers, Montréal du Gers, d'autoriser le président du conseil départemental à signer les documents correspondants. Pas d'opposition, c'est adopté. 81 à 07. Il vous est proposé d'accorder la garantie du département pour le remboursement d'un emprunt contracté par l'EHPAD La Vallée à Saint-Clar pour les travaux de rénovation de la cuisine centrale. D'autoriser le président du conseil départemental à signer les documents correspondants. Pas d'opposition, c'est adopté. 81 à 08. Qui a été retiré. Le A08 a été retiré de l'ordre du jour. Il a été. Voilà. Pour des raisons techniques, il faut revoir la convention. Hein. Bon. Pardon. J'ai un petit coup de mou. 81 V00. Alors, il vous est proposé de conclure des partenariats de communication dans le cadre de l'organisation de manifestations emblématiques gersoises organisées dans les domaines du tourisme, du sport et de la culture, d'attribuer des subventions pour un montant total de 71 900 euros conformément au tableau figurant au rapport, d'autoriser le président du conseil départemental à signer la convention de partenariat avec l'association gersoise pour la promotion du foie gras. C'est adopté. Je ne fais pas trop de bilan sur les marchés flottants du week-end dernier, mais une fois encore, gros succès populaire, des gens qui sont venus, une visite du président Hollande, mais aussi surtout, je voudrais remercier les conseillères et les conseillers départementaux du Gers, parce que chaque année, le département du Gers, c'est le département le plus représenté à ces marchés. Mais de loin, même quand on n'est pas, nous, responsables, comme c'était le cas, puisque c'était le Tarn-et-Garonne cette année qui en avait la responsabilité, mais à chaque fois, les producteurs, y compris des départements du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne, sont toujours surpris, ils ne sont plus surpris maintenant, mais ils sont vraiment ravis de voir que le département du Gers a toujours en permanence 6 ou 7 conseillers départementaux. Alors moi, je dis que c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais la réalité est tout autre, c'est parce qu'on fait vraiment ce geste en direction de nos producteurs et ils apprécient énormément et je remercie tous ceux qui se sont mobilisés, qui sont venus, qui participent à la distribution de produits. Vraiment, c'est quelque chose de très très bien. Voilà, on passe à la commission de la solidarité. Je crois que c'est Gisèle Bémoret qui la préside, non ? Hein ? Si ma mémoire est bonne. Alors, 11V00. Dans le cadre de l'allocation individuelle de transport, AIT, pour les élèves et étudiants gersois dont la situation de handicap justifie un transport scolaire individualisé, il vous est proposé de fixer le montant de l'indemnité kilométrique à 0,50 centimes pour l'année scolaire 2017-2018 pour le calcul des frais de déplacement remboursés à la personne effectuant le transport de l'élève ou de l'étudiant, d'approuver le règlement départemental de l'AIT incluant cette disposition telle qu'il figure au rapport. Pas d'opposition, c'est adopté. C'était le seul rapport à la première. On passe directement à la troisième commission collège et jeunesse et Catidas qui la préside avec le rapport 33K00. Il vous est proposé d'approuver le programme 2017 d'aide à l'investissement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association pour un montant de 45 735 euros conformément au rapport, d'autoriser le président du conseil départemental à signer les conventions d'objectifs correspondantes avec ces établissements bénéficiaires. Pas d'opposition, il est adopté. K01. Il vous est proposé de renouveler avec la commune et le collège d'Aignan la convention pour l'utilisation de la salle polyvalente pour les collégiens dans le cadre des programmes scolaires et d'éducation physique et sportive et dans les conditions figurant au rapport, d'autoriser le président du conseil départemental à signer la convention correspondante. Pas d'opposition, c'est adopté. K02. Il vous est proposé de conclure avec la communauté de communes de Bastide et Vallon du Gers et le collège de Marciac une convention d'utilisation du plateau sportif du collège pour la pratique d'éducation physique, sportive et des activités de loisirs périscolaires par les élèves de l'école primaire de Pardiac dans les conditions figurant au rapport, d'autoriser le président du conseil départemental à signer la convention correspondante. Adopté. On passe à la quatrième commission, les territoires et la croissance verte. Gérard Castet pour le rapport 44L00. Il y a un truc, c'est SPIC.
Alors, si tu crois que c'est, tu vois, c'est un truc... Ça a changé, oui. Alors que delegate off, c'est pas bon. Mais speak, et, a priori, si tu as fait au moins un peu d'anglais... et là, mute. C'est bon, normalement. Alors, speak, Mr. Castet. Oui. Il vous est proposé d'approuver l'avenant à la convention relative à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de la ville d'Auch. La prorogeant pour une durée de 2 ans, étant précisé que le département du GR s'engage jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la politique départementale de l'habitat 2013-2017, d'autoriser le président du conseil départemental à signer le document correspondant. Pas d'opposition, c'est adopté. V00. Dans le cadre de la politique départementale d'accompagnement des communes et de leur groupement, de conventionner avec la communauté de communes d'Air-sur-Adour pour une durée de 3 ans, en vue d'apporter un soutien financier aux projets à dimension supracommunale concernant uniquement les communes gersoises et implantées sur leur territoire, sous sa maîtrise d'ouvrage ou subsidiairement, sous celle des communes gersoises dans la limite d'une enveloppe de 80 000 euros. Pas autoriser le président du conseil départemental à signer la convention correspondante. Pas d'opposition, c'est adopté. Nous passons à la 5e commission, la commission culture, que préside Nathalie Barouillet, avec un seul rapport, là aussi, le 53K00. Dans le cadre de l'opération Livre comme l'air, il vous est proposé d'installer un frigo-livre dans la cour du collège Jean Rostand à Eauze et dans celle du collège Matalin à Auch, visant à faciliter l'accès des adolescents à la lecture et à la culture dans les conditions figurant au rapport, d'autoriser le président du conseil départemental à signer les conventions correspondantes avec les établissements scolaires. Pas d'opposition, c'est une très bonne initiative. Elle est donc adoptée. 6e commission, là encore un seul rapport, le rapport 64L00, c'est Bernard Gendre qui nous présente. Dans le cadre d'un objectif d'engagement commun pour réduire le déficit quantitatif d'eau sur la Garonne, il vous est proposé d'approuver le projet de convention de partenariat entre les départements de Haute-Garonne, Ariège, Gers, Haute-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, la région Occitanie, l'État et l'agence de l'eau Ardou-Garonne concernant un projet de territoire de la Garonne amont, la sécurisation du remplissage et l'augmentation de la capacité de la retenue Bombelle et l'engagement de réflexion sur le territoire de la Garonne moyenne, et d'autoriser le président du conseil départemental à signer le document correspondant. Pas d'opposition, elle est donc adoptée. Nous avons un rapport complémentaire. Alors, il y a un complémentaire dans cette... Le 6401. Mais il y en a d'autres, des rapports complémentaires, non ? Sur la commission. On les passera après, si vous tu voulez. Tu veux le faire dans la foulée, toi, Bernard. Non, on va faire les rapports complémentaires après. Hein, d'accord. Très bien. Donc, on passe André Larrand, le rapport 73J00. Speak. Dans le cadre de l'aide au maintien du tissu associatif d'intérêt infradépartemental, il vous est proposé d'allouer les subventions en faveur des associations et organismes figurant dans la liste qui vous a été remise en séance. Pas d'opposition, c'est adopté. Donc nous avons quelques rapports complémentaires. Un premier rapport complémentaire, le 44L00, c'est un avenant à la convention relative à la 6e opération programmée d'amélioration de l'habitat d'Auch. S'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention, il est adopté. Alors je file pour voir ce qu'il y a encore. Ben moi, j'ai que ça, non ? Alors, attendez, on apporte de toutes parts. Voilà, il y en a un pour la 6e commission. Alors, 6e commission, c'est la relance de la filière foie gras. C'est les aides aux éleveurs gersois. Ça, c'est la virologie ? C'est la virologie. Alors, la virologie, je vous rappelle en deux mots, les organisations professionnelles agricoles nous avaient demandé pour la fin de l'année dernière de pouvoir apporter un soutien aux éleveurs qui avaient besoin pour les déplacements d'animaux de faire des tests de virologie puisque... oui, je le connais aussi bien que toi, c'est ça Bernard ? Bon, d'accord. Puisque ces tests de virologie étaient indemnisés par l'État s'il y avait quelque chose, mais pas s'il y avait rien. Et donc nous avons pris cette décision. J'avais annoncé à la foire de Barcelone du Gers
la mise en place d'une enveloppe de 100 000 euros. En réalité, les critères que nous avions ne nous avaient pas permis de prendre la totalité de la petite centaine d'éleveurs qui étaient concernés par cette mesure, mais simplement un peu moins d'une trentaine. On nous l'a bien sûr fait remarquer avec un courrier de Bernard Malabira. Nous avons modifié notre façon de faire et nous avons pu récupérer les 98, je crois, c'est ça, éleveurs qui pouvaient bénéficier de cette mesure. Et c'est donc la possibilité de verser ces sommes qui vous est proposée. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, et j'imagine qu'il n'y en a pas, le rapport est donc adopté. Septième commission, la candidature à l'appel à projet Grand Site Occitanie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Bernard, tu avais quelque chose à dire sur ce... Non ? Alors, il s'agit notamment du site anciennement appelé Flaran-Baïse-Armagnac. Nous avons jusqu'à aujourd'hui, je crois, pour déposer notre dossier de candidature pour revalidation. Vous savez que l'Occitanie, maintenant, va valider des grands sites, revalider des grands sites qui étaient en Midi-Pyrénées et valider des sites qui étaient en Languedoc-Roussillon, puisque Languedoc-Roussillon n'avait pas de politique de grands sites. Donc on est dans une phase de revalidation. Il faut donc faire comme si on était à nouveau candidat. Nous sommes à nouveau candidats. J'en ai parlé bien sûr à la présidente Delga s'agissant de ce grand site. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau grand site? Extension du périmètre, puisque nous avons inclus désormais le village fortifié de La Ressingle, non? Il y était déjà? Le centre historique de Montréal-du-Gers, il y était déjà? Bon, pas dit comme ça. Bon, bref. En tout cas, on a ce patrimoine là avec Chemin de Saint-Jacques et Pont de l'Artigue, qui sont patrimoine classé à l'UNESCO. Et puis, nous avons fait un changement de nom. Alors, je dois dire que le nom doit être validé par la communauté de communes qui, dans un premier temps, avait pris comme nom Abbaye et Cité d'Armagnac, au lieu de prendre Flaran, Baïse, Armagnac, Abbaye et Cité d'Armagnac, les cités étant La Ressingle, notamment, mais Fourcef, hein, toutes les Bastides. La présidente de région m'a fait remarquer, lorsque je l'ai rencontrée le 8 septembre dernier, que c'est le premier mot d'un site qui fait cliquer et venir les visiteurs. Et que l'importance du premier mot est grande. Je vous rappelle que maintenant, on va être en concurrence avec des grands sites qui vont, par exemple, s'appeler Cité de Carcassonne, Pont du Gard, des choses d'un volume relativement important. Et que ce qu'elle craignait, c'est qu'un jour ou l'autre, la Nouvelle-Aquitaine se mette à vouloir faire des grands sites également et puisse préempter un nom qui est quand même souvent générateur de mouvement, à savoir le mot Armagnac. En conséquence de quoi? J'ai appelé Gérard Dubrac hier, puisque n'ayant pas eu le quorum cette semaine, c'est une communauté de communes qui a du mal de temps en temps à avoir son quorum, la nouvelle réunion a été reportée à ce samedi, c'est-à-dire demain matin, à 8h30 du matin, ce qui est une heure parfaitement habituelle pour réunir les communautés de communes. Mais la Ténarèse, c'est la Ténarèse, que vous voulez. Hein, il y a quand même un phénomène, il y a un microclimat là. Donc je l'ai appelé pour lui dire que, à mon sens, s'agissant d'un site qui est quand même un peu fragile, parce qu'il n'est pas très grand, on a mis en valeur les 5 millions d'euros qu'on va mettre sur Flaran, mais quand même, c'est un peu difficile. Puisque la présidente avait suggéré qu'on soit pas, on regarde les choses, j'ai suggéré, moi, modestement, que le grand site s'appelle Armagnac, Abbaye et Cité. AAB. C'est le classement de Standard & Poor's. C'est l'agence de notation, on est AAB. C'est pas mal, AAB. Bon. Enfin, toujours est-il que Gérard Dubrac s'est rendu il ne s'est pas rendu d'une manière générale. Il se rendrait définitivement qu'auprès de Christine Ducarouge, peut-être, mais pas auprès de moi. En tout cas, il a compris l'intérêt qu'il y avait à ça. Donc, probablement qu'il présentera un autre nom et qu'on a mis, nous, dans notre délibération, c'est-à-dire Armagnac, Abbaye et Cité,
qui peuvent être vraiment de nature à générer du mouvement. Oui. Mais l'Armagnac, c'est Eose. Non, pas du tout. Non, je regrette que dans le site, le grand site Armagnac, justement, on oublie le pôle archéologique. Oui, c'est Sylviac aussi. Sylviac. C'est exactement la même chose. Je ne vois pas comment on fait. Montréal, elle ne comprend pas Sylviac en même temps. On ne comprend pas. Elle ne comprend pas Eose en même temps. Parce qu'il y a quand même une histoire commune. Bah oui. Non, mais c'est vrai que ça. Même si on n'est pas sur la même communauté de communes. Ça étend trop loin. Speak. Le problème, c'est ce que vous avez dit, c'est que de toute façon, on a une pression qui est très forte sur cet appel d'offres. Très très forte parce que, comme l'a dit le président, on est en concurrence avec des sites qui sont des sites majeurs du Roussillon et du Languedoc. Donc il y avait une urgence à se mobiliser et c'est pas pour... Je pense que la mobilisation, elle est avant tout celle du président qui a vu la présidente de région. Et c'est vrai que, je pense, et ça nous a été dit, si on passe pas, il y a deux vagues d'appels d'offres, si on passe pas sur le premier appel d'offres, on n'y arrivera pas. Donc il y avait une volonté de se mobiliser, mais après, M. Gabaz, on en a discuté, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une continuité et il y a une pépite qui est aujourd'hui portée par le CIVU, Montréal, Sévillac et Eose. Et peut-être qu'il y a lieu de réfléchir dans les propositions de locomotion commune, peut-être sur une autre forme de locomotion pour ce sujet qui pourrait être, par exemple, un EPCC, etc. Et que, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on a une pression qui est très forte, puisque nous, des dialogues, et c'est pour ça que je me suis permis de mettre une pression technique sur le président qui l'a transformé en valeur ajoutée politique, c'est vrai qu'ils étaient plutôt partis dans l'idée de nous écarter, eu égard à la modestie, voilà. Donc c'est pour ça que cette mobilisation a demandé une mobilisation très rapide. Ça fait 3 jours que les équipes techniques du pays, du CDTL, du conseil départemental, de la communauté de communes travaillent pour déposer un dossier aussi avec une partie littéraire de qualité qui arrive à se... Voilà. Mais après, c'est sûr qu'à l'Ouest, il y a du nouveau et qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut sans doute, mais peut-être que vous le proposerez au président et à la présidente du CDTL, qu'on se rencontre pour regarder ce qu'on fait. Et je crois qu'effectivement, il faut sans doute aujourd'hui déplacer la question du CIVU. Elle a trouvé ses limites. Hein. Voilà. Mais sur le grand site, on verra si le président... Voilà, mais je crois que tout dépend un peu du président, pour le coup. Il faut essayer à chaque fois de faire un peu de cohérence entre les projets, quoi. Hein, voilà. Oui, président Balinguien, vous vouliez... Oui, moi, je voulais simplement ajouter, justement, en termes de cohérence, que parler d'Armagnac sans parler de la capitale de l'Armagnac, ça me paraissait incohérent, quoi. Voilà. Donc, je pense que... Oui, mais alors dommage... Alors, M. Gouanel n'est pas là, mais Mme Tintané est là, qui vous dira que la capitale de l'Armagnac, ça n'est pas Eose, mais c'est Nogaro. En tout cas, que Nogaro est la capitale des bons crus d'Armagnac, puisque je crois que c'est comme ça qu'est libellé le panneau qu'on voit à l'entrée de Nogaro. Donc moi, j'ai pas envie qu'on rentre, parce que les Landais nous diront que c'est la Bastille d'Armagnac ou que c'est, je sais pas quel, le fraîche, probablement, ou quelque chose comme ça. Hein, et Robert Rouquette nous dira que c'est Estang. Bon, ok. Oui, Gisèle. Juste un mot. On a un produit qui est unique. Bon, même s'il déborde sur les Landes, je ne dis pas avec mépris, et sur le Lot-et-Garonne, mais je crois qu'il faut s'en servir. Ça, c'est essentiel qu'il y ait Armagnac en premier. Après, abbaye citée, je trouve bizarre un peu, mais bon, c'est vrai qu'il y a l'abbaye de Flarens, on l'est citée. Je trouve que ça fait vague, mais bon, peu importe, c'est une... Pardon de le dire, mais... à ouais, plein de choses. Il y a des gens qui penseront à Carcassonne, il y a des gens qui penseront au Mirail. C'est pas exactement la même chose. Donc, effectivement, je suis d'accord, mais à un moment donné, je crois qu'il faut faire les choses, et c'est pour ça que je pense que... Non, mais moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. Mais comme je la prends un peu... Uniquement, moi, je ne suis pas compétent en matière touristique, loin s'en faut, plutôt en automobile et en Saint-Émilion, mais honnêtement, sur les clics ABI,
notamment sur la clientèle nord-américaine, japonais, etc. C'est en fait, c'est ce que vous avez dit au départ. Et donc, c'est dans les relations techniques qu'on a eues avec la région qui nous ont dit, ben, parce que les gens, ils vont cliquer des choses. Et Armagnac, ça marche, la présidente l'avait dit. Voilà, donc, honnêtement, après le nom, voilà, je pense qu'il est subjectif au final. Et Armagnac, Abbaye et Gabas, non, c'était pas jouable. Non. Je suis vraiment ouvert en ce moment. Putain, profitez-en, c'est les soldes. Voilà, mes chers collègues, nous avons terminé. Je ne sais pas quand sera la prochaine séance, on vous le dira. Mais en tout cas, merci pour cette séance et je vous propose qu'on se retrouve pour le déjeuner.